L'atelier du moulin est le premier atelier de la chaîne de fabrication. C'est là que l'on fabrique les différentes pâtes de porcelaine. Dans un premier temps, on vient prendre les matériaux dans les réserves. Chaque matière est pesée pour correspondre à la formule élaborée par le laboratoire. Toutes les pâtes contiennent du kaolin, du quartz et du feldspath. Ces trois matières sont incorporées dans le broyeur à galets, auquel on ajoute de l'eau de pluie, et dans le cas de la pâte nouvelle, un colorant pour la différencier des autres lors du recyclage. Une fois rempli, le broyeur tourne entre 12 et 48 heures afin d'affiner le broyage et mélanger les ingrédients. À la suite du broyage, la pâte est vidée dans une première citerne dans laquelle elle est maintenue en agitation pour ne pas qu'elle sédimente. La pâte passe par un tamis pour contrôler la qualité du broyage, puis elle est transférée dans une seconde citerne. Ensuite, elle se rend via des tuyaux au filtre presse qui sert à supprimer une partie de l'eau dans la pâte. Quand la pâte a fini d'être pressée, l'artisan ouvre la machine et extrait des galettes de pâte formées. Les galettes vont ensuite vieillir pendant 6 mois dans la cave, ce qui améliorera sa plasticité. Une fois prête, on vient prendre 250 kg de galettes qui vont ensuite être pétries pour la rendre homogène à l'aide d'une machine appelée marcheuse. Tout d'abord, on effectue la préparation de la couronne. On colle les galettes les unes aux autres pour éviter qu'au démarrage de la machine, elles soient éjectées et tombent par terre. Une fois la machine en marche, on ajoute de la pâte progressivement. Les deux rouleaux foncés servent à écraser la pâte, ils font chacun 140 kg. Les deux rouleaux gris clair ramènent la pâte. On coupe ensuite la pâte. Ce qui était dessus est mis dessous et ce qui était à l'extérieur, à l'intérieur, pour que la pâte subisse le même traitement de chaque côté. Pour mesurer la souplesse de la pâte, on laisse tomber une bille dans un tube d'une hauteur connue et on mesure avec une règle la profondeur de pénétration dans la pâte. L'artisan coupe la pâte avec un couteau en bronze qui permet de ne pas la polluer avec de l'oxydation. Les morceaux sont coupés finement de façon à rentrer dans la désaéreuse, une machine qui sert à enlever les bulles d'air les plus petites, sachant que la marcheuse a déjà permis d'enlever les bulles d'air les plus grosses. Les morceaux de pâte sont introduits dans l'entonnoir de la désaéreuse. La table est mouillée pour que le colombin, qui pèse 20 kg, glisse sans coller. Sur le côté de la table se trouve une goulotte qui permet de manipuler le colombin sans le toucher pour ne pas le déformer. Il range ensuite la pâte dans un coffre contenant de l'eau pour maintenir un certain taux d'humidité. L'artisan effectue une seconde mesure de la souplesse car il y a une petite perte de souplesse en sortie de la désaéreuse. La durée de conservation de la pâte dépend de plusieurs facteurs, dont la météo. L'idéal étant que la pâte soit utilisée dans les semaines suivant sa fabrication.